te refaire une petite vidéo pour dire que c'était pas prévu. C'est pour ça que j'ai pas de trépied, j'ai rien, j'ai pas le matos nécessaire. Donc à l'heure actuelle, mon appareil photo est posé sur mon sac à dos et système D. Et en fait, c'était juste pour dire que la chaîne YouTube va sûrement être amenée à changer, parce que moi-même, je suis en train de changer. Je commence enfin à comprendre vers où je veux aller, qui j'ai envie d'être et ce que j'ai envie de faire de ma vie. Et c'est pas rien. C'est pas rien parce que ça fait déjà 2 ans que j'essaye de le faire. Ça fait 2 ans que j'ai quitté mon job de manager pour devenir photographe indépendant. Et puis ça s'est pas passé comme je le voulais. Par la même occasion, j'ai quitté Paris, j'ai quitté mes amis qui sont sur Paris également. Et je suis retournée vivre chez mes parents. Sauf qu'en retournant vivre là-bas, j'ai dit adieu à mes vies sociales. Et adieu à mon indépendance. Alors c'était un choix de ma part, hein. Ça a été grandement bénéfique. Mais je me suis laissée enfermer entre 4 murs parce que je me posais énormément de questions. Et au final, avec le recul, parce que il y a quand même un peu de recul maintenant, je pense que si je suis jamais passée à l'action, si j'ai jamais osé ces 2 dernières années, c'est que quelque part j'étais en manque d'inspiration. C'est qu'au fond de moi, je savais que c'était pas la voie qu'il me fallait, que c'était pas la... que la voie sur laquelle j'étais, c'était pas celle où je devais être. Le problème, c'est que je savais pas où je devais être. J'arrivais pas à me situer. J'arrivais pas à me projeter. J'arrivais pas à savoir réellement ce que je voulais faire. Et puis, je me suis focus sur le van. On est parti. Ça a été chouette au début. Et après, ça a été encore une déception. Parce que je m'étais fait tout un tas d'idées. Parce que je me suis speedée. Et du coup, j'ai jamais pris le temps comme je souhaitais. Et là encore, c'est de ma faute. Et puis, cet été, quand le van est re-rentré au garage alors que ce n'était pas prévu, qu'il devait y rester qu'un mois, finalement, ça fait déjà plus de 6 mois, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et clairement, j'ai tout lâché. Je suis littéralement passée à un stade où je ne faisais rien de mes journées. Je n'avais plus aucune motivation et puis j'avais toujours cette boule au creux de l'estomac là qui commence à partir on va dire parce que j'avais l'impression de perdre du temps et puis rien faire ça me ressemble pas normalement alors en plus de ça j'arrivais pas à me motiver les coups de motif c'était 2 jours et après ça rechutait et c'était voilà. Mais au final, ce moment avec le van qui me lâche un peu et qui, encore une fois, me fait repousser les projets que j'avais en tête, ça a été super bénéfique avec le recul, parce que sur le coup, c'était pas ce que je pensais. Parce que j'ai pu réfléchir réellement à ce que je voulais faire et j'ai fait un constat. Qui a complètement chamboulé ma manière de voir et qui sûrement va chambouler la suite et qui a confirmé que je m'étais en fait trompée de chemin et que ça faisait 2 ans que j'errais comme ça au gré de certaines tendances, au gré de certaines choses qui ne me ressemblaient absolument pas. Je commence à prendre conscience de ce que je veux réellement faire. Et la photo, plus que jamais, en fait partie. Le van aussi, mais c'est un moyen. Et la photo, l'écologie en font partie. Et c'est des choses qui me tiennent vraiment à cœur, que j'ai vraiment envie d'approfondir. Et là, je suis arrivée ici parce que sans van, je me suis dit, je ne vais pas rester encore à me torturer l'esprit chez mes parents sans voir personne. Donc autant gagner de l'argent, autant profiter de cet environnement que j'adore.
et que ça faisait longtemps que j'avais pas côtoyé. Et puis, le boulot me permet de savoir que j'en suis toujours capable, et parce que je suis serveuse, voilà. Et donc, c'est un moyen pour oublier les péripéties avec le van et me concentrer uniquement en dehors de mes horaires de taf sur la photo, réfléchir à mes sujets, les développer. J'en ai déjà quelques-uns en tête, mais ça sera pour peut-être une autre vidéo, je sais pas encore. Et donc, pour terminer la vidéo, n'oubliez pas le message le plus important que j'aimerais faire passer, c'est n'oubliez pas de prendre le temps pour vous, de vous écouter et de positiver. Je pense qu'avec ça, on est pas mal pour commencer sur le chemin du bonheur. Sur ce, je vous tire ma révérence et je vous dis à bientôt.